Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je pense avoir des petits yeux aujourd'hui parce que je viens tout juste de me réveiller. Donc on va se faire un bon stretching, un bon réveil musculaire sur 10 minutes, pas plus. Juste avant de commencer, si vous pouvez prévoir un petit coussin pour pouvoir mettre sous le genou pour pas vous faire mal. Moi je suis sur un tapis donc ça va, mais quand on va faire ce genre d'exercice, ce serait bien que vous ayez quelque chose pour vous protéger le genou. Allez, c'est parti. Je prends mon portable et dans 5 secondes, on y va. On va commencer donc directement avec la main sur la tête ici en essayant d'abaisser l'épaule. Vraiment la main, elle est positionnée mais très légèrement. Je mets un tout petit appui sur ma tête en essayant de bien abaisser mon épaule pour bien étirer toute cette partie. Ok, vous inspirez et on expire. Très bien. Super, donc là on va faire ça pendant 30 secondes. C'est déjà fini et on va passer sur l'autre côté. Allez. Très bien. Et on abaisse l'épaule. Ok, on change les deux mains derrière la tête, on abaisse les coudes et on rentre le menton. Très bien, on inspire et on souffle. Je rappelle que l'appui derrière la tête est vraiment très léger. Hein. J'appuie pas fort, c'est progressif. On inspire et je souffle. Allez, il me reste 10 secondes. Ok, on va mettre la main sur notre coude ici et on va venir tirer derrière en essayant de se grandir avec le coude vers le haut et en même temps je ramène pour étirer nos triceps. Pareil, j'inspire et je souffle. Quand j'expire, justement, essayez de ramener encore un tout petit peu plus pour essayer de grappiller un peu d'angulation. Ok, je change. Très bien. Alors moi, je ferme les yeux parce que ça m'aide vraiment à bien ressentir et à bien me relâcher. Après, c'est comme vous voulez. Je pense que ce sera mieux d'ouvrir les yeux pour voir un petit peu ce que je fais sur la vidéo. Mais une fois que vous avez compris le mouvement, vous pouvez fermer les yeux. Ok, maintenant on va se placer donc comme ceci et on va venir descendre les épaules et on va remonter ici. On descend. Ok. Très bien. Parfait. On va se positionner donc sur le côté ici et on va venir étirer l'épaule avec en mettant vraiment la tête à l'opposé. Ok, donc là ma main est vraiment bien ouverte ici et je viens descendre pour étirer mon épaule et j'ai l'appui avec mon bras fléchi sur l'autre bras. Très bien, je vais me mettre comme ça, peut-être que ce sera plus simple pour voir. Au moins vous allez voir dans les deux sens. Ok, passe sur l'autre côté, ici, tête opposée et je descends l'épaule. Et on essaie de se grandir. Essayez carrément de relever la main si vous ne sentez pas assez le travail au niveau des épaules. Très bien. Ok. On se place sur le ventre, les mains écartées et on va passer d'un côté comme ceci pour venir étirer. Très bien. Super.
Parfait. Allez, on cherche loin sur le côté. Ok, on passe de l'autre côté. Ça, ça fait trop du bien. Et on relâche bien. Ok. Très bien, on se relève ici. Et on va venir tirer la tête. Parfait. Et on peut même passer à gauche, à droite et repasser par le milieu. Très bien. Et j'étire. Parfait. Ok. Ensuite, on va étirer nos quadriceps. Donc, une jambe ici. Et on va prendre le pied arrière là. Comme ceci. Très bien. Et on vient venir pousser notre bassin vers l'avant pour bien étirer notre quadriceps. Très bien. On essaie de bien se relever. Se redresser, pardon. Et c'est vous qui voyez. Plus je vais tirer, plus on va solliciter notre quadriceps. Ok. Donc là, je ne mets pas de coussin parce que je suis sur le praticable. Mais si vous, vous êtes chez vous, mettez un petit coussin en dessous comme je vous ai dit au début de la vidéo. Celle-là, elle est plus raide chez moi. Ok, on va tendre la jambe ici devant et on va venir descendre en essayant de ramener le pied vers soi. Et là, on sent vraiment bien un étirement au niveau du mollet et au niveau de nos ischios jambiers. Ouah, ça tire là. Ouah. Ok, on change. Très bien. Inspirez, on souffle. Hein. Ok, on va venir mettre la jambe comme ceci ici, la jambe tendue derrière, pour étirer nos fessiers. Oh Kev, faut t'étirer plus souvent là. Oh là là. Oh, j'ai les fesses là. Ça me tire. Essayez de bien vous redresser. Oh. Inspire et je souffle. Le fait de faire ces petites vidéos, au final, ça m'oblige à en faire même plus souvent, vous voyez. Ok, et on change. Ah, celle-là est un peu mieux quand même. J'inspire et je souffle. Alors pour certains, ça peut être une position très confortable, et pour d'autres comme moi, c'est un peu moins confortable. C'est-à-dire que je suis quand même pas mal en appui sur mon bras droit parce que je peux pas vraiment me relâcher totalement. Ok, on va passer sur le côté maintenant. On va étirer nos adducteurs, comme ceci. On se redresse bien. Ok, très bien. Sur l'autre côté. Pareil, on se redresse. On essaie d'ouvrir un petit peu la jambe. Ok. Très bien.
va finir. Jambes écartées ici. Et les bras devant. On inspire. Et on souffle. Très bien. Et voilà les amis, la petite routine de 10 minutes de stretching est finie. Donc si vous voulez pousser un tout petit peu plus loin dans les étirements, je vous mets un lien de vidéo ici. J'avais fait vraiment un étirement qui dure bien 30 minutes, où on prend vraiment le temps de s'étirer. Mais si vous n'avez pas le temps, cette petite séance de 10 minutes est vraiment chouette pour justement bien commencer une journée ou pour bien la finir. Ça c'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain entraînement. Ciao les amis et prenez soin de vous.